kapona sanite bandi makapona zoni demota sale la kango ye alia kana ye wo ato propose na wo lo to baje manje m'en fou mo bali na na ye mote na bino bande ko balandi biskanyo soboko landa biso na banda kuna bino na poko ale oto sepeli ya mingi po bo ya mbi biso sans transition sans protocole bo koti si biso na kimia nyo sope bo pesi biso ba kiti to vani anto ko beta na milo masolo na ndenge longo bani na kimia po na hospitalité o bo sali a travers biso yango to sepelaka toujours ko vana na bino na banda kuna bino na kimia parce que na minute o ba telecommande tout e vanda na kimia zo penza ba mbeto etandi elale mi fini kiti na mutupo malile elenga basaka na kana ngote yango e permettre biso to beta na milo masolo lelo notamment ya préparation ya léopard ya chan ya république démocratique du Congo pe notamment il y a recrutement au Isaac Salema au sein de l'ESF Club et Napo Kwalelo. Nazanga moko na plateau te nazana le buté de la prolongation Jacques Dromo au Yazana Biso Napo Kwalelo ensemble avec lui to kosala ba analyse na Otali Léopard Chan au Italipe ESF Club de Kinshasa na bandeko botiko kota na ndako sikoyo. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Le buté de la prolongation Jacques Dromo, bonsoir. Bonsoir Santo. Oui, moi liloba na bandeko ba landa biso na bandako en cette moment à travers Congo Bezo Télévision. Merci Santo, je les salue d'abord. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour les remercier sur l'attention qu'ils ne cessent de porter sur ton émission, mais également sur les soucis qu'ils ont de voir notre football, en particulier les sports congolais en général, aller de l'avant. Merci beaucoup à vous. Merci également à tous ceux qui sont branchés sur Congo Bezo Télévision en ce net moment. Na bandeko nyonso o boko landa biso na bandi na poko alelo to kobeta na bino masolo ebele ebele na o etali Léopard Chan ya République démocratique du Congo na bandi liste provisoire ya bajo baza retenu ici ebimi et à travers cette émission avec notre invité, analyste sportif, amoureux du foot, Jacques Dromo, le buteur de la prolongation, Tolkato Yeba. Bajo baza présélectionné. Ils ont vraiment bangote, ils ont mérité ou pas na bandi maloba ekozala yangai et biano ekozala yae. Bino pe boko landa biso na banda ku biska bomoni geno awa intervention na ezala ki bien. Bo pe si biso kaka ba point de vue na bino ba suggestion no tope ba réaction. No soyi bozangi biso na poko ya lelo. Boza peut-être empêché na marambo mike mike bolandi biso jeudi na 15h10 tope na chaîne na biso YouTube Congo Bezo Télévision bo kozwa ba information nyonso na o etali émission to kosala yango na poko alelo na bandi bandeko boko landa biso na bandako o botai kokota o na ebisi bino a motu eza o bozanga kine émission parce que nous sommes qu'au début de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité Carrefour vert et noir pour tous les sportifs congolais et pour ceux de l'ESF Club en particulier. Alors le buteur de la prolongation Jacques Dromo, la liste a été publiée à Léopard Chan. En tant qu'amoureux du foot, liste non parce que toi nous gagnes parti par parti. Tu rejoins nos gardiens, toi tu as l'impression d'un gardien. Bappé Sibiso, Mwaka Ivo, Saïd Ibadjo, Mubobo Israël, na Lunana Jackson, Lunana Jackson. En tant qu'amoureux du foot, bah gardien là bas a présélectionné 4 mois les Rwandais. Merci Santo. Donc le Baboué par rapport à la sélection, oui. J'ai toujours été contre ceux qui veulent faire le travail des entraîneurs. Chacun a une tâche, a un travail qu'on lui a confié. Ceux qui vont entraîner, va saler Moussa Nabango, va participer sur liste à joueur. Nous ne pouvons que nous incliner, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des techniciens. Bien que nous sommes analystes, on peut canaliser et voir quels sont les joueurs qu'ils ont recrutés. Et s'ils les ont recrutés, ils savent pourquoi ils l'ont été. Donc, à ce stade, moi, je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires à émettre. Nous allons voir comment est-ce que ces joueurs-là qu'ils ont sélectionnés vont prester. N'est-ce pas? Que ce soit au niveau des gardiens, que ce soit au niveau de la défense, du milieu de terrain, ou encore de l'attaque. Moi, je pense que c'est tout un staff technique qui a pu observer ces joueurs-là durant le déroulement du championnat. Et puis, Paponi Bango. Alors, si par la suite, Monique Bajur va passer rendement à Malamte, nous n'aurons pas à nous en prendre au jour, nous allons nous en prendre au staff technique en disant, ah tiens, vous n'avez pas sélectionné les joueurs qu'il fallait. Mais à ce stade,
nous ne pouvons que nous incliner n'importe l'obaka. Tout ce que la bango va jouer au bon baponi, sûrement ils sont les meilleurs dans les différents postes na bango. Et nous sommes convaincus que sur base il y a des critères où les salariés qui va recruter. Et j'ose croire qu'effectivement qu'il y a eu un critérium où les salariés qui va retenir bango na niveau. Donc nous disons nous nous inclinons face à liste où bon va présenter biso. Ce qui est plus important maintenant, total, comment est-ce qu'ils vont se préparer? Mais dès le départ, il faudra dire que ces joueurs-là, cette équipe-là, part avec un handicap non des moindres. Oui, parce que notre championnat a été arrêté pendant 3 mois. Ils ont repris pour jouer 2-3 matchs. Sur base de cela, ils ont été sélectionnés. Bon, comme nous disons, maintenant là, je sais que ça ne va pas être facile au vu de l'absence et du manque de compétition. Et des rythmes na bango, mais bon, ils auront le temps de se préparer et nous espérons qu'ils pourront donner le meilleur de eux-mêmes. Merci à vous, les huitiers de la prolongation, Jacques Doumoua. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés en ce net moment. Si Congo Bezo Télévision Balobi, Oeleki Awa, Izara Nzambe. Parce que les gens qui ont été en train de se faire, on a CP Congo Bez Télévision, et ça, on a un grand merci. On a dirigé la mission, en commençant par notre boss, l'intelligence et la sagesse de la presse congolaise, Maître Christian Bossembe. La Bossani Pété, mon directeur, Walobi Jérémy Béton, armé blindé, Walobi, un grand merci pour vous. Parce que les sportifs congolais, ils ont été retrouvés, ils ont également été retrouvés dans le monde, ils ont été retrouvés. Il y a Motou, il y a Penza, il y a tout ce qui est entraîneur. Vous aurez temps également, il y a Rolanda championnat, bien que Betamaki n'a phase unique. Il y a le buteur de la prolongation, Jacques Dromoua, à Otikoloba, Awa. Mais il y a un gardien, une prestation, un gardien, un nionso. Il y a un sali qui est présélectionné. Lobby déjà, il y a 4 ans à Braza pour 3 jours. Mais il est grand temps. Botala Kapé, entraîneur, mais à travers cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, car il faut verre noir, beaucoup. Mais Libiso, ce peut être au commissaire Maloba, parce qu'il y a 4 kuna. Moi, on a vu pas Zali, coach Malek, que j'ai salué en passant, au Azali, préparateur physique, il y a SV Club, Azapé, préparateur physique, il y a Léopard Chan. Donc, tu retournes à Rarabiano. Ni boni kuna au izane parce que ba supporters koto bakolo ba nini to koyebisa na ba supporters, c'est comme ça que nous allons évoluer. Alors bazwa ki 17 défenseurs ezali bongo ebuela Steven Issa Mampeko Kasereka Apomeza tiré Kasereka te Keva Mbemba Boka Isaka Luzolo Sita Ebunga Simbi, entre parenthèses. Hein? O ezali stasura, mais Ebunga Simbi, entre parenthèses, parce que moi, nous mouko zaï kotiana. Mangundula, Enoko, Lita, Demani, Ikoyo, Iembe, Mondeko Kevin, Mondeko Kevino, Bea Hervé, Simete Taboria, Mwimba, Isala, wane zaba défenseur, ils sont 17, hein? Tambwe Kalonji, Nafingi Maj. Donc, on les a les 17 défenseurs, ou les 17 défenseurs, on les a retenus jusque-là pour nous rencontrer dans le Bukuna, il y a Congo Brazzaville. Le but de la prolongation, on a mis au Seki. Le défenseur, on a dit Seki, si on va convaincre que pendant les championnats, on a été en phase unique. Non, loin de là, moi je pense que ce qui m'étonne plus, c'est le nombre de défenseurs de présélectionnés. 17. 17 présélectionnés, oui. Comme défenseurs, je pense que ça en est un peu trop. Hein, il nous reste combien de temps pour sortir la liste définitive? Voyez-vous, c'est comme si le staff technique est en train de douter encore. Le staff technique n'est pas sûr des joueurs à retenir. Moi, je pense qu'à ce stade, on devrait déjà avoir, disons, un portrait robot d'une équipe censée nous représenter. Ouais, on dit toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne, on n'invente pas la roue. Quand Chan Moto Betama, il n'y a pas longtemps, ils ont
l'ossature de cette équipe-là. Moi, je pense qu'on devrait partir de ces joueurs-là. Comment avez-vous trouvé cette équipe-là? Attendez, non, mais c'était une très bonne équipe. Laissez-moi vous dire. Moi, j'ai toujours pensé que si on avait gardé cette équipe-là, pour en faire une équipe A, en incorporant les joueurs, hein, qui pouvaient bien apporter un peu plus par rapport à ceux qui étaient là, 3, 4, 5 éléments, je suis convaincu qu'on aurait un autre résultat que la médiocrité actuelle que nous avons. Donc, Nakolo Baboué, on ne peut pas partir du néant. Il y a une ossature, il y a une base. Il fallait partir de cette ossature-là qui nous amenait cette pléthore des joueurs dont on ne sait pas par la suite comment ça va se passer parce que le temps, il n'y a plus assez de temps. Je pense que dans septembre ici, les Léopards A, bah, bête match Nabango, il y a contre troisième journée contre la Mauritanie. Donc on devrait servir, partir de cette base ici pour nous trouver déjà une équipe, une ossature locale et qui allait permettre à ce que quelques professionnels qui auront pignon sur rue, quelques professionnels qui sont compétitifs, qui évoluent, qui ne font pas la banquette, pour que renforcer l'équipe pour nous. Mais tel que je vois les choses se présenter, j'ai l'impression qu'on est encore en train de tâtonner. Hein? On est encore en train de tâtonner. Moi, je ne pense pas que c'est dans une préparation de 3-4 jours qu'on arrivera à élaguer, à éliminer d'autres éléments pour nous sortir le 26. Hein? Je pense qu'on est parti de 23 à 26. Oui. Sur un total de combien, Mika? Là, déjà, c'est... Le total des joueurs sélectionnés, ça fait combien au total? Le total des joueurs sélectionnés, bon, c'est au-delà des 17, 12, 4, ça nous fait au-delà des 30 quelques déjà. Ah, au-delà des 30 quelques déjà, donc c'est donné beaucoup de travail pour rien. Bon, comme nous disons, nous avons dit, tout ce qui va entraîner, va s'amuser à la bon, on va lingi va sur la méthodologie, on a. Et puis, à la fin de rejiger Bango. Mais, en ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'il y a pléthore de joueurs sélectionnés. Il y a vraiment pléthore. Pour, rien que pour la défense, vous en avez 17. Donc, si j'ai fait mes calculs, mes petits calculs, il y a combien de défenseurs? Il y a pratiquement, disons, 5 défenseurs. Hein? Vous avez les 2, vous avez les 3, vous avez les 4, vous avez les 5. Et donc, à la limite, nous disons qu'il ne restera plus que 8 défenseurs à prendre. Hein? S'ils exagèrent, ils peuvent avoir 10 défenseurs. Et il y a 7 autres qui ont servi à quoi? Bon, ils ont leur méthodologie. Laissons-le... C'est au-delà des 40, parce qu'il y a encore 11 milliers du terrain. Voilà ce que je suis en train de dire, qu'il y a quelque part, il y a un problème. Au-delà des 40. Quelque part, il y a un problème, parce qu'il y a pléthore. Il y a pléthore. Est-ce que cela se justifie par l'absence de compétition dans notre pays qui a fait qu'on puisse aller à tâtons? Mais bon, nous allons voir, nous observons, mais nous constatons qu'il y a pléthore en termes d'effectifs sélectionnés. Donc ils auront du pain sur la planche, ils risquent de laguer le meilleur et retenir le moins meilleur. Et voilà, donc... Espérons qu'ils arriveront à dénicher les meilleurs sur la quarantaine de joueurs qu'ils ont présélectionnés parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Je me répète, il ne nous reste plus assez de temps. À ce stade ici, on devrait déjà avoir une idée sur les sélectionnés et non les présélectionnés. Les sélectionnés à ce stade pour que ces derniers plongent dans la préparation. Si vous préparez une quarantaine de joueurs, voyez-vous, c'est autant d'énergie, autant de moyens dispersés que si vous focalisez sur un groupe déjà bien déterminé de 23, de 26 ou de 30 joueurs maximum. Et là, vous nous parlez d'environ 40 éléments. Plus de 40 éléments, bon. Parce qu'il y a 4 gars. Bon, voyons voir. J'ai l'impression que la méthodologie pêche. 12 attaquants. La méthodologie pèse. Donc, ça démontre, ça corrobore ce que nous disons. Ils sont en train de tâtonner. Il y a trop de tâtons. On ne sait pas qui prendre, qui ne pas prendre. Tout ça parce que, je le comprends, il n'y a pas eu une compétition digne de ces noms. On a essayé de rafistoler les choses. On a essayé de nous donner un champion sur papier. Bon, bref, les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Hein?
on est en train de tâtonner. Et ces tâtons-là risquent de nous coûter cher par la suite. Un grand merci à vous, les butiers de la prolongation, Jacques Domois. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés en CNET, Momasi, Congo, Bezo, Télévision, aux Angibiso, Napoko, Alelo, Landabiso, jeudi, à 15h10, stoppé au quotidien, la chaîne YouTube, il y a Congo, Bezo, Télévision, au Colanda, émission, au na Boké, Bignon, autant de fois, au Lingi, passe, au Aneko, Mio, na téléphone, non, mais, tous au Bandela, Lissoussou, va passer sur la liste, il y a 4 gardiens, 17 défenseurs, 12 attaquants, 11 milliers du terrain. Donc, si vous allez calculer, moi, j'ai pris ça 45 joueurs au Bazali présélectionné jusque-là. Alors, au niveau des milliers du terrain, tous les joueurs au Bino Bonnec, Hollande, au Boyébi. Mais le quoi, tous les amoureux du foot dans le plateau, à Zoua qui tend à Hollande, Lina Foot, Nenge Betama qui dit début jusqu'à la fin, parce que Lina Foot, on a et Betami, on aura la phase unique. Hein, tout y habité. Moudjimou et Kosalama na ndenge longo bani kuna na niveau ya Léopard Chan ou Isaka ko tatonma ndeza ko salama mais balobi mutu na mutu asa musa na epso musa na fisa ko saba analyse eza ko loba ko yeba nini o esengeli ko sala pour que lisano ndembo tope motopi ya mboka eko kaboko kende liboso. Alors bolanda ki championnat o ebeta mari na phase unique, donc phase aller il y avait pas une phase retour. Là, on va jouer Rwanda Nyons, on va prester qui pendant la phase aller, va retenir 11 milliers du terrain. Et Zali na Masasi Amede, na Banzi côté Kunakutu. Bino mo roboye bi ya roloba mingi mingi to rozonge la le buteur de la prolongation Jacques Dromois, to za na Tsou di Christian. Au moins la qui peut prestation na e, to za na Mukoko Tonombi. Hein? Madame Nadine, en tout cas, na on est comme il y a un danger. Toi, bien, Mukoko Tonombe. Il n'y a pas Zali, Tozana Mika Miché. Hein? Mika, il nous a dit, Mika Miché, au Boyebi, Abetara de l'autre côté, Tozana Zemenga Soze, Tozana Mutumos Zulu, Tozana Likonza Glody, Tozana Ngimbi Marseille, hein? Joueur Azana. Na Mupepe Nemiko, mais Azana Moua Litige, Moro, Oizalage, entreye. Manier Maignan, Don Bosco, Mazembe. Donc, Don Bosco, Tocha et Pimbeni. Donc, entre Yé, na Manier Maignan, na Mazembe. Parce que le problème, il y a un petit souci au niveau de l'INAFU, Torozong, il a fait dossier, à la fois passé Tolobé, là, qui a eu, Tolobé, là, on a su qu'avant, tu as chité dossier à Ngimbi, Marseille, tu as qui casse à merveille. Aux saisons écoulées, à ça qui la pluie et le beau temps au sein de l'Est avec les cette saison, Bandeko Bokolanda, Lina Foot, et bien, une phase unique, Bobi prestation à merveille, sur le côté combien, na Oya Salaki, et Yebi Kakabino, Petozana et Bongo Ciel, Toza Pena Tumba exaucé. On les a les milliers du terrain, au Bazalaki, retenu. Il faut retenir une chose. Na 4 milliers du terrain, on va retenir qui 11. Tous les milliers offensifs, tous les milliers défensifs. Donc, Bango Alande, sélectionnaire, il y a Léopard Chan à Monaki, tous les canards pour présélectionner Bango avant tout qu'il y ait la phase de la soukato, et Banani Barotikala, et Banani Barozala remercier. Alors, le buteur de la prolongation, Jacques Domois, dans les milliers de terrain, tout le temps, on a banzi, les 11 là cités, Bango Baza 17, ce n'est pas une liste pléthore, comme vous venez de le dire là. Mais dans 11 là, tout tangi. Baza ko mérité to Ezapeka Kaebele. Ezapeka Kaebele, Santo, je ne cesse de le dire. Hein? Il ne faut pas nous inventer la roue. La roue a déjà été inventée. Il faut simplement l'acheter et l'utiliser. Hein? To yebi que l'année qui venait de terminer, il y avait des équipes qui avaient joué la compétition africaine et il y a une des équipes qui est arrivée en demi-finale. Je suis avec le bien. Mais c'est Mazembe qui est arrivé en demi-finale. On devrait baser l'ossature de l'équipe Cham sur l'ossature Mazembe. Prendre le meilleur joueur de Mazembe, les 11 meilleurs de Mazembe, qui avaient la compétition dans le jambe, et essayer d'ajouter quelques éléments. Comme c'était à l'époque voilà. De Moutoubi les Santos, comme à l'époque de Ibengue. Prenez l'équipe de Mazembe. Cette équipe-là est arrivée en demi-finale. Nous présumons qu'ils ont la compétition dans les jambes et essayer de colmater les brèches avec d'autres éléments qui ont démontré de quoi ils étaient capables tout au long de ces championnats. Et amener cette équipe-là en préparation, au lieu de faire du bis repetita, on prend le même et on recommence. Et finalement, les résultats
tarde à venir. Donc, encore une fois, il y a pléthore à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la défense, peut-être les gardiens de but, non. Mais la défense, le milieu, l'attaque, il y a pléthore d'éléments, pléthore de joueurs. Donc, ça va donner du fil à retordre aux entraîneurs pour nous arriver à sortir les sélectionnés, les 30 sélectionnés ou les 26 sélectionnés, selon ce qu'aura décidé la Confédération africaine de football. Donc, nous disons que l'entraîneur nous épargne de cet tâtonnement-là. Que l'entraîneur base son équipe sur l'ossature de Mazembe. Il n'y a pas de honte à le dire. Basez l'équipe sur l'ossature de Mazembe et ajoutez des éléments où vous trouvez qu'ils peuvent venir renforcer cette équipe-là afin d'en faire une équipe compétitive capable de gagner une coupe. Faire ce qu'on est en train de faire là, je suis désolé de le dire, mais j'ai l'impression que le résultat va tarder à venir. Mais travailler pendant 3 jours de l'autre côté. 3 jours, mais c'est insignifiant. On ne bâtit pas une équipe de football en 3 jours. Mais ce sont les joueurs qui se connaissent déjà. Non, mais du tout. Quand vous avez 40 joueurs, ils se sont connus quand? 45 joueurs. 45 joueurs, ils se sont connus quand? Ils jouent les mêmes championnats. Et non, ils ne jouent pas dans... Non, la question, ce n'est pas de jouer les mêmes championnats. La question est de savoir, est-ce que ces joueurs-là prestent-ils dans une même équipe, dans un même club? La réponse est non. Mais ils ont été tellement excellents au sein de leur club. Bien évidemment, mais ils ne constituent pas une équipe de football. On a besoin d'une équipe de football. Pour avoir une équipe de football, nous devons avoir une ossature. L'ossature actuelle qui peut nous aider à avoir une équipe de football, c'est l'ossature de Mazembe. Prenez l'ossature de Mazembe, prenez le meilleur joueur des autres équipes, ajoutez-le à cette ossature pour en faire une équipe, une sélection. Et cette sélection peut aller en préparation en jouant des matchs amicaux. Parce que si vous prenez cette pléthore de joueurs, cette forêt de joueurs, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas les mêmes qui vont jouer les matchs amicaux. Ce ne sont pas les mêmes. Or, nous avons besoin de joueurs qui vont jouer la compétition pour jouer les matchs amicaux. Ces matchs amicaux vont servir des matchs de préparation pour qu'une fois qu'ils ont joué ces matchs de préparation, que l'entraîneur puisse avoir une idée sur les joueurs qu'il faudra aligner les jours J. Aller comme ils sont en train d'aller comme ça, je suis désolé de vous le dire, mais ça m'étonnerait que nous ayons un bon résultat. Un grand merci à vous, l'invité de la prolongation Jacques Dromo. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés en CNET, Moumassi, Congo, Bezo, Télévision, Zangi Bisson, Napoko, Alelo, Zoa, Penza, Tanaoya, Landa Bisson, la chaîne YouTube, Nabisso, il y a Congo Bezo Télévision, s'occuper aux arbres à difficulté à condamner sur la chaîne YouTube, aux Elibiso, les jeudi, à 15h10, mais les lots, YouTube, les Anango, à la portrait de tous, dans le cas de portable, les Nabino, aux Attends, Oyo, et Sengeli, pour la Rolanda Nini, et les Kaki, les émissions, les Bissons, pourquoi les lots, on va profiter de temps en temps pour la Rosengara. Un grand merci. Bakonzina biso va permettre biso to za galiboso na mnopona kopé sa ramno ba information très très précise traité avec beaucoup plus de professionnalisme et en toute honorabilité. Là je cite l'intelligence et la sagesse de la presse congolaise, maître Christian Bossem et mon boss, un grand merci à vous. Un grand merci également à mon directeur Jérémy Béton, babi le béton est armé et surtout blindé. Un grand merci à toi mon directeur Jérémy Maïkidi, hein, en tout cas merci beaucoup parce que les Vécubiens se retrouvent. Et les sportifs congolais en général se retrouvent évidemment. Alors nous avons 12 attaquants. Nous avons Bola, Lobota. Nous avons Kinzuzi, Philippe. Nous avons Lilepo, Glody. Un enfant chéri de Jacques Dromo, le buteur de la prolongation. Nous avons Pia Nzengeli. Nous avons Mbala, Chita. Nous avons Bitoto, Kamama. Ikangalo, Mokapela. Moussa Prince, Katulonji Joyce, Makusu Mundele, l'inévitable Jean-Marc Makusu Mundele, il est là. Nous avons Bossu Adam et Obed Mayamba. Donc, les deux derniers joueurs, on a Tangi Nabanziba, Obed Mayamba, on a Boutala Kibango, on a Verre Noir. Ça qui l'a plu et le beau temps au sein de cette grande formation. Pour moi, il est pour Moussa Labassala qui met Oezako Lekana. Bo limbi sabiso parce que na pourquoi les lots masoaba transfert robet en haute
Si tout va bien, la semaine prochaine, tu vas en amener peut-être jeudi. Tu vas en amener transfert. On en a coach. Il y a SV Club peut-être le jeudi. Si tout va bien, il est lundi. Tu vas en amener le buteur de la prolongation. Jacques Drôme, pour nous enfoncer les sous sur les clous. Nous avons dit que parce que tu as envoyé la bino. Information très très précise, traitée avec beaucoup plus de professionnalisme et en toute honorabilité. Car notre travail a toujours été de mieux faire pour bien vous servir à travers cette grande émission d'excellence. Alors, le buteur de la prolongation. Nous avons 12 attaquants. Mon côté, c'est un peu comme ça. Nous avons joué avec nous. Nous avons joué avec nous. Nous avons joué. Alors, nous avons 12 sélections, pré-sélections. Côté attaquant, on trouve un peu comme ça. Santo, je pense que pré-sélection, tel que l'entraîneur, ce sont ceux-là qui étaient les meilleurs tout au long de la saison. Oui. Et j'ose croire que le coach championnat ici l'a quitté. Actuellement, il est difficile de dire qui a été le buteur. Oui. Mais à mi-parcours, il y a quand même eu autant de buteurs. Hein, ce qui est une situation particulière pour un championnat. Généralement, il y a toujours eu un premier meilleur buteur, un second, ainsi de suite. Mais là, vous avez un nombre important de joueurs qui ont marqué pratiquement le même nombre de buts. L'arsenal de buteurs. Voilà, donc difficile de dire parmi... tous ces joueurs-là, qui sont ou qui est le renard, le meilleur, le vrai renard de surface. Pas les moindres qui ont fait la pluie et les beaux temps. Ben écoute, comme nous avec disons, des buts magnifiques. Les entraîneurs ont fait leur choix, mais la difficulté qu'ils vont avoir, c'est d'arriver à nous sortir la liste définitive, parce que tous ces joueurs-là, apparemment, ils sont bons. Sur base de quoi ils vont retenir les 5 ou les 6 attaquants? Parce qu'il n'y en aura pas plus de 6. Hein? Si c'est beaucoup, ça va être peut-être 7 attaquants. Donc les autres vont tomber. Alors, pourquoi avoir, comme nous disons, procédé par une présélection aussi pléthorique pour qu'au finish, qu'on puisse nous sortir 7 éléments ou 8 joueurs par compartiment? Ils savent, ces entraîneurs-là, ils ont suivi notre championnat. Ils savent les joueurs qui ont brillé et ils savent qu'ils n'ont pas besoin de nous amener une ribambelle de joueurs pour qu'au finish ils nous en sortent tant. J'insiste là-dessus parce que nous savons par la suite comment les choses se passent dans notre pays. Quand il faut sélectionner, parfois il y a plus, on laisse l'objectivité de côté pour prendre en considération d'autres critères que je ne voudrais pas ici épingler. Hein. Nous osons croire que ce sont des professionnels et que Ebi Moussala Nabango va repayer sa biso, va jouer Oyo, va mériter l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais n'alourdissons pas le travail. C'est ça l'impression que nous avons. On veut alourdir le travail. Alourdir le travail voudrait dire quoi? Tu as 10 joueurs, tu en prends 50. Tu te donnes encore le temps de commencer à observer les autres alors que tu sais qu'il y a 10 meilleurs joueurs qui sont déjà là. Prenez-le. J'ai dit tantôt ici que on pouvait bien se baser sur la liste les joueurs sélectionnés dans la chaîne passée. C'est vrai qu'il y a eu entre-temps l'eau a coulé sous le pont, bah, et ainsi de suite. Mais il y en a quand même qui sont restés. S'ils sont toujours compétitifs, il fallait partir d'eux et incorporer, ajouter les autres. Si on ne sait pas partir sur cette base-là, il y a l'équipe de Mazembe qui a atteint le demi-finale. Bah, oui, qu'on soit équipe, bah, joueur, il y a l'ossature comme il y a la demi-finale. Bah, incorporer les autres joueurs, le meilleur, comme nous sommes en train de dire, pour que bah, renforcer l'équipe Mazembe. Voilà. Et on va nous éviter les tâtonnements dont on a l'impression que staff Wana est au même labisso. Mais comme nous disons, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je pense que si les résultats arrivaient, nous allons applaudir. Mais si les résultats n'arrivent pas, nous allons encore critiquer davantage. Un grand merci à vous, mais un mot pour les joueurs présélectionnés, un mot également pour les staffs techniques. Non, mais écoute, pour tous les joueurs présélectionnés, en dépit de leur nombre, hein, nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. Et nous osons croire qu'au finish, ils vont nous donner une liste définitive qui ne comprendra que le meilleur. Ce n'est pas parce que celui-là a promis un 10%, de lui, Masola, on est Betamaka. Je n'ai pas ma langue dans la poche, je ne passe pas par les dos de la cuillère. Ce n'est pas parce que celui-là a dit « on paie ça plus », ne retenez que le meilleur. Pas en fonction à 10%. Hein?
pas en fonction, il y a 10%. Retenez ceux-là qui vont démontrer que finalement, ils méritent d'être dans cette équipe nationale. S'il y a cette objectivité, je suis convaincu que avec quelques matchs... Le message là est pour le staff technique apparemment. Bien évidemment, je sais à qui je m'adresse. Je sais à qui je m'adresse parce qu'on a eu certaines informations qui ne nous ont pas plu. Donc, qu'on sélectionne que le meilleur, cette histoire de 10% Bachangona Mopandi, s'ils vont dans cette histoire de 10%, ils vont tuer cette équipe-là. Et encore qu'il n'y a pas encore d'équipe, ils cherchent à en constituer. C'est une sélection. C'est une sélection, ils cherchent à en constituer. Mais, comme nous disons, nous leur souhaitons bonne chance. Et bonne chance aussi à ces staffs techniques. Merci à vous, le buteur de la prolongation. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés sur Congo Base Télévision. Nabanzi, oh, et l'Obami Awa, Isaiah Kozango avec beaucoup plus d'attention, simplement parce que nous avons un amoureux du foot sur ce plateau, un analyste sportif, pas les moindres Oyo. Dans le lait, on a été en train de se il faut parler, il parle au nom de la nation, il parle au nom de l'amour de la patrie, parce que tous les lamings. La dernière fois, c'était à l'époque de Jean-Florent Ibenge Kwange, et il y a de cela plusieurs années passées. Et bah, Congolais, bah, on a besoin cette fois-ci, bah, c'est Kalisus, bah, on a besoin cette fois-ci, bah, il y a un ou Libanda, tu es peut-être la coach. Mais aimons nos équipes, aimons la République, parce que ce sont les équipes respectives. Tolingi République, Nabiso, Nabandina, va supporter Yavita, Yaimana, Yamazembe, Yaloupopo, Nenge Jacques Dromo, Aoutikoloba, Awa, Abombi, Oba, Sentiment, Netalobi. Pourquoi pas prendre telle équipe? Parce que Bango, va bêta qui demi-finale, il y a Confédération africaine. Il a été clair. Même si j'étais à sa place, peut-être que là, j'allais encore dire plus que ça. Mais là, je sais que Bango va payer Bango, Mokumba Wana. Il va présélectionner les joueurs. Na place à Rouzouaka, Moussala et Bélé Bélé. Vous n'êtes pas les moindres. Vous allez Bana Yamboka. Donc, vous allez entraîner à Libanda. Vous allez entraîner Oyo Aza local. Oyo Atala qui l'inafou du début jusqu'à la fin. Pourquoi faire une liste exhaustive? Oyo Kokouté n'a pas mis sur le Pamba, na trésor public. Tu as déjà que non. Chan, Yaliboso, Tozora, on a tout puissant Mazembe Anglebert. Effectif. La plupart des joueurs, ils ont là qui, il y a Mazembe coach, il y a Mazembe. Chan a mis balé. Tozora qui en haut, SV Club de Kinshasa. La plupart des joueurs, on est comme il y a 16. Et comme il y a le remords à Kafumba Katanzo. Tozora qui en haut, SV Club de Kinshasa. Complémentarité, c'est là qui mouke mouke, tout va complément. Côté à Mazembe, côté à Imanamo, Bajoro, Bazala qui bon, Bazoua qui bon. Bandi, ce qui va tali, Oyo, invité Nabiso, topé analyste sportif, Aoti Koloba, ça ne sert pas. Yakozoua liste, Mouke, les Kamoulaye, Moulaye, Kosengasu, Moussala et Bele, Nabandi, Moujimone, Kosa, Penza, Mouke, trop, ça ne sera pas vraiment intéressant. Mais ce qui est fait, le vin est tiré, il faut le boire. Mais, tout y est, bah, conséquence, na liste, on a, autozu, à Moulaye, bah, on se voit, meilleur, bah, on se voit mérité, mais à la fin, bah, on le capé, bah, on va koukata, kara, les sous, et ma soye, koukendeling, et ça, au kendelan, ce qui reste à faire est plus dur par rapport à ce qui est déjà fait. C'est pour ça que je demande, et je suis en train de conscientiser les staff techniques, il y a Léopard, Chan, il est grand temps, bon, mais, rata, sautant, on peut te caler, mouké, il est grand temps, bon, mais, ka, koukou, koulongwana, bande, kouanambang. Effectif, il faut que tu parce que tout en a besoin. Il y a résultat. Si porter sa lia, il y a résultat. En dehors, il y a résultat. Et là, on peut porter sa lia. Et ça, la carte. Et comme il y a bino, il y a bando, il y a bino, il y a place à Misala, partout où il y a bino. Surtout, vous avez bino, vous avez côté la chaîne YouTube, même sur Congo Base Télévision, vous avez émission, vous avez bimba du débit jusqu'à la fin. Alors, tu as Léopard Chan, ce que tu as au côté. Dossier Mouza sensible, il y a SV Club de Kinshasa parce que tu as le coup dans la ciment, tu as commis carrefour vert et noir. Donc, mingi mingi vert, mais comme la Congolité oblige, et moi qui te banda. Léopard, Peto Kitabongo, dans SV Club de Kinshasa, pourquoi les lois vont tomber dans le plateau, tu as aussi
na préparateur physique ya ASV club toti ko so na président à section foot ya ASV club ba secrétaire azaki un peu empêché on ba cette fond ba cette émission est traité avec beaucoup plus de professionnalisme parce que tozwa ka ba information à la source ton graté to ko zo on la balabala poto ya ko na ko tatoné à na plateau c'est pas bien pour votre respect so to ko mi na biroté. Tous les temps, il y a un moko na moko na téléphone après ça biso information pour tous en bas exactitude. Il y a au écoleka na ndenge penza makambo izaleli au sein de l'ASV club de Kinshasa. Alors recrutement na poko ya lelo ba bandi déjà na centre coureur à Pova malé au Kindarotik ba on a Raoul Chung azali entraîneur principal ya ASV club de Kinshasa. Moussala asala qui la fois passé Moussa en de permettre que cette fois-ci bino bo pesa confiance cette fois-ci ba dirigeant va pesa confiance cette fois-ci total parce que la fois passée la personne qui avait recruté c'était toujours Raoul Mundele Akikoya Koya Nasima oyo azaki traité de tous les mots par le buteur de la prolongation Jacques Dromo quand nous étions encore de l'autre côté mais koto na habité ceux qui à Kolobani ni pona o etali o wana mais ba joueur batika na plus de deux semaines professionnel, il y a ASV Club, on va expatrier pour Bazonga Namboka. Mais entre-temps, à Namboka, on va dénicher le talent. On va au salon de Mikolo, on va au centre de Koura, on va au Moussa, on va au Salé Makuna, on va au Italie, recrutement, il y a ASV Club de Kinshasa. Comment avez-vous trouvé la politique de recrutement au sein de l'ASV Club avec des jeunes talents ou des nouvelles recrues? Bon, moi je pense que politique, il y a recrutement, il y a club, dépend des objectifs au club on a poursuivre. Hein. Je pense que lorsqu'on recrute des joueurs, sûrement on s'est dit, c'est pour les placer dans l'équipe A, dans l'équipe B ou dans l'équipe C. Hein. Une équipe de football, on ne la change pas à chaque saison. Tout le temps à Barcelone, tout le temps à Paris Saint-Germain, tout ça. On part toujours des noyaux. Mais le plus grand club du monde de Tanguy en Anté. Bon, c'est selon toi. Je te fais plaisir. Totangi Real, Totangi Pé Real. Vous allez vous rendre compte dans tous ces clubs-là, oui. On part toujours d'une ossature, d'une base qui existe. Et sur base, il y a équipe qui peut exister. On va tenir compte de départ pour que va renforcer Ango. Et je crois que c'est ça la politique de l'ASV Club, puisque jusqu'à la preuve du contraire, nous ne savons pas. Qui sont restés dans le club, qui sont partis. Hein? Ça va être difficile à ce stade de dire, de mettre un avis très objectif sur ce qui se passe. Oui, recruter, c'est toujours une bonne chose. Mais comme j'ai dit, nous recrutons pour quelle finalité? Est-ce que nous recrutons pour les placer à l'équipe, en équipe A, en équipe B ou en équipe C Nabisso? Ou nous les recrutons pour jouer la compétition africaine? Et là-dedans, si nous disons que nous recrutons des joueurs ici pour jouer la compétition africaine, la première zone, alors je dirais j'ai bien peur, j'ai bien peur. Je crois que c'est pas ça. Je suis sûr qu'ils recrutent pour effectivement pour placer Bango ça et là afin que l'Obiba va renforcer l'équipe en Abisso. Et entre temps, pour l'équipe A, comme vous le savez, s'il y a recrutement, ça doit être des recrutements ciblés. L'entraîneur doit avoir une liste. Il y a des joueurs. En fonction, il y a des difficultés rencontrées la saison passée sur différents postes où il y a présenté qui na staff managérial avec le afin que bas zoulaye ben élément on a sur base il y a des moyens bien sûr parce que tout est fonction des moyens hein, la plus belle fille au monde ne donne que ce qu'elle a donc ce qui moyens ali et que l'entraîneur avait donné une liste il y a des joueurs où il y a l'ingozwa pour que bas renforcer l'équipe avec le il faut l'accompagner dans ce sens mais ce qui bas zaté bon il faut s'assurer d'abord que ton maintenir au Saturne Abisso. Il y a l'année passée. Et donc, il y a quelques éléments. Et ce qui peut parmi les recrues, ce qui m'étonnerait. Vous savez que sur 1000 joueurs, peut-être que ça a été volontaire. Hein? Peut-être que moi, quand je suis allé, il y a renforcé l'équipe nationale. Pardon, équipe A. N'est-ce pas? C'est bien beau la politique, mais nous sommes faits à la. En fonction d'un objectif, il y avait club. Quels sont les objectifs avec club pour l'année, la saison sportive qui va bientôt démarrer, que ce soit sur le plan local que sur le plan international.
Un grand merci à vous, le buté de la prolongation, Jacques Dromo. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés sur Congo Base Télévision. Na bandi ya Mutuya Eza, na bandi Goboko Landabiso na Ngonga Oezali qui a avec le Kinshasa a kosala Mujimu. La Mujimu e kosala manandenge moko ya mukia kosarante a lobindundu kumpala toujours pas de requil. Attaque sans requil yango Oezali qui na sans que courir à pauvre Moussala et bandi kosala ma déjà au staff technique ya avec club au grand complet. Bazak ou recruter, Bazak ou paye sa chance. Na ba joueur ou ba monique, non ba occupé ko sunga équipe. Mais ndenge, le buteur de la prolongation, Jacques Dromo, a outi koloba awa. Veclub a kobeta la compétition la plus prestigieuse africaine. Oto ben rabongo Champions League africaine. Non, isenge ba joueur moro baza compétent, ba joueur moro baza mature, ba joueur moro ba betaki betaki. Toko sa recrutement sur le plan national. Nous avons des bons joueurs, mais on ne doit pas recruter. Bonjour, bah aussi dans le club, il y a assez pour na kubeti sabango la compétition la plus prestigieuse. Hein, bah ambition au vec les besoins dans la saison, au ezali koko ne musika, koko matin en souka pourquoi pas, koto mbo la ligne zanzana kozonga nango, ah na kisasa mbo ligne zanzana pe ekozoama. Si Dieu fait grâce, togo ya na ligne zanzana Jean Bogomo na mbo mama Poutine, azana plateau à Congo Base Télévision, Banisha ina kipe pe bah osa de l'autre côté, Lambert Moussa Sani a roté les marteaux donc. Biro, Mobimba ya avec le Rosala, avec tous les conseillers, bah Richard Baye, bah Papi Tondo, bah Achin Geitadi, la bango tout bah Rosala, pour la festoyer na Linzanzawana, Oyo et Pesameli Biso, ya ngoto Senga, na ba supporters union sur AS avec le Kinshasa, il est grand temps. La fois passée, na yamba ki ba sectionnaire, il y a les défenseurs de l'AS avec le na ba il est plateau est grandement ouvert. Bon, le bate que au centre a sélectionné. Au centre, à Ramuta VIP. Bilo, quand on a la Congo Base Télévision, Totika. Totika, vous avez dit qu'il y a le défenseur de l'Est Veclep avec Marcelin Moukouba. Totika, vous avez dit qu'il y a paradis. Vous avez dit qu'il y a présent Petrus. Là, vous avez dit qu'il y a paradis. Vous avez présenté nos sincères condoléances parce que vous avez dit qu'il y a un ange qui est dans le paradis. En tout cas, la famille est dans le cœur et le monde est dans le cœur. Si vous avez ce programme, à travers cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, car il faut vert et noir. Mais toutes les sections où est Tikali, bon milingue là. Il y a administration publique. Cette fois-ci, binonde bozana masolo. Masolo est dans la administration publique. Bundara en 2014, ce bétarati final de la Ligue des Champions. Mais cette saison, depuis la saison passée, bozwa qui déjà est bonga. Il y a section foot, il y a SVCL, Bosala, Moussala, Obo, Messanara, Kosala. Ba Willy Kisanto, ba Marius Mambweni, ba Jide Mabiala, Umba, ba Sami Sakrochi, Mangamacha Moumenu, ba Jise Kimweni Ndebo, les marteaux qui écrasent les moellons. Vous êtes tellement ébellé. On a tiré ba souvenir ébellé, il y a bien pour l'administration publique, il y a SVCL. À chaque fois, Tobima, t'as Tobima, on a compte avec l'Eb, na kanisara komo mo ezonge la ngala mutu jise ki mweni ndebo le marteau qui écrase les moellons. En tout cas, un grand merci parce qu'un bienfait n'a jamais été perdu. Na bosan le pété l'imbattable et bouillant plus fort que l'OTAN et l'ONU, mais c'est propre John Mbaluku. Babil était propre avant sa naissance, il est né propre, il a grandi propre, il est devenu très très propre, mais c'est propre John Mbaluku. Un grand merci à toi, pourquoi pas la locomotive puissante qui charrie plusieurs wagons, excellence sa belle machine et l'homme au cheval blanc. En tout cas, dans les tout prochains jours, nous allons faire un plateau. Ah, et on a déjà trop, moi, tout, mais que le bas, oh, ils arrivent à non dit. Vous avez les dires faciles, il a aussi les dires faciles, ça sera une très très bonne émission. Alors, le but de la prolongation, Jacques Dromo. Tokine Nabiso, malembe la télé, c'est le temps. Kota là, recrutement, n'est-ce pas, ça, c'est ma saison, oh, avec le Kota là, ossature, oh, yo lobby, et bêta qui, la saison passée. C'est vrai que, bah, joueur, on a nion, ça va vous alater. Et vous avez peine à quelques rajouts au Ecosalima. Mais une équipe en presta qui la saison passée, la seconde zone, quand l'équipe en est bêta guilina, faut qui va reconduire la même équipe. Est-ce que vous avez la chance de bêler dans la première zone cette saison ou comment? Merci, merci beaucoup. Santo Balobara, avec si, on peut me construire Paris ici à Kinshasa. Avec si. Vous avez hypothèse, mais je n'ai pas dit par hypothèse. Je suppose que le management a travaillé pour qu'on arrive à retenir le maximum de joueurs au Prestaki l'année passée. Vous savez, une équipe de football, c'est d'abord la stabilité. Une équipe, un club ne gagne la compétition que lorsque il est stable. Ça veut dire quoi?
il faudrait qu'on garde les joueurs pendant 2 saisons, 3 saisons, pour espérer que les joueurs vont avoir un résultat. Parce qu'une équipe ne se construit pas en une journée. Une équipe ne se construit pas en une saison. Il faut prendre du temps. Il faut travailler sur base d'un projet. Et ce projet-là aura comme aboutissement gagner la coupe, peut-être, à la fin. C'est comme ça que nous devons travailler. Mais tel que les choses se présentent, c'est un peu difficile de commencer à parler. On peut spéculer, on peut essayer de spéculer. Mais pour bien spéculer, comme nous sommes en train de dire, il faudrait que tous les latoyers, en définitive, sur les joueurs qui avaient évolué la saison passée, combien bâti Cali? Est-ce que c'est toute une équipe qu'on va reconstituer ou 60, 70%, 80%, il y a des joueurs qui vont évoluer qui la saison passée Bazali et qu'on va renforcer dans le poste. Donc, en fonction de cette donne-là, on pourra se dire, on pourra lire les intentions ou les ambitions y avec pour l'année prochaine. Mais telle que les choses se présentent, c'est un peu trop. C'est vraiment me jeter dans l'eau en disant exactement ce que veut l'AS avec pour l'année prochaine. Donc, moi, j'invite le supporters à la patience. Tous les là. Moussa Laïko Salema. Nasuka, Bawebisabiso, finalement, sur les joueurs qui avaient évolué la saison passée. Voilà, il en reste autant. Tomemi Bajuer Moussousou. Et à ce moment-là, on saura si l'entraîneur va encore se battre pour reconstituer une nouvelle équipe ou l'entraîneur a déjà son équipe sur base desquelles avoir injecté quelques éléments pour que à rendre en gros encore plus compétitive. Un grand merci à vous, le buteur de la promotion, Jacques Drôme. Mais vous avez suivi le déroulement de la Lina Foot la saison passée. Qu'est-ce que vous pouvez demander aux dirigeants de la Lina Foot cette saison pour aider le club congolais à bien se produire pendant la campagne africaine? Nous ne cesserons jamais de le dire. Le tendon d'Achille du football congolais, c'est son organisation. C'est son instance fêtière qui est la FECOFA, qui a délégué cette compétence à la Lina Foot. Il faudrait qu'il y ait une organisation. Quand on publie un calendrier, on doit s'assurer que ce calendrier sera respecté. Il est inadmissible qu'en plein XXIe siècle, avec tous les outils managériaux, que tous sera toujours en train de tâtonner, et ne sachant pas quand est-ce que nos équipes vont se produire. Calendrier, mais ce calendrier n'a jamais été respecté. Vous avez des reports en report, vous avez des matchs annulés. Bref, ça ne facilite pas, ça ne permet pas à nos clubs de se mettre à niveau. Ça ne permet pas à nos clubs d'être compétitifs. Donc, j'en appelle à la Lina Foot à une bonne organisation. Une bonne organisation voudrait, dès le départ, s'assurer que le format du championnat que nous allons adopter va permettre à ce que le championnat puisse se dérouler sans interruption. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme nous sommes en train de dire, si on se rend compte qu'on n'a pas assez de moyens pour continuer avec la même formule, une formule qui a démontré ses limites, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'il y a un problème de moyens. Le pays n'a plus une compagnie aérienne capable de transporter nos clubs d'un coin vers un autre. C'est une donne. Donc, ils savent que la situation est celle-là. Ils doivent réfléchir sur les formats appropriés qui permettra à nos équipes d'être à même en jambes. Ça veut dire quoi? Championnat sur les bandits, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Les joueurs doivent jouer, les équipes doivent jouer de manière continuelle. Ce qui chaque samedi, chaque vendredi, match Zalaka, il faut ça les mandingona. Et qu'il n'y ait pas d'interruption parce que quelque part, il y a eu un problème logistique. Donc, la FECOFA, à travers la Lina Foot, aiderait beaucoup le club, ce qui baza bien organisé. Et à ce moment-là, la balle sera du côté du club. Mais ce qui déjà la FECOFA, à travers la Lina Foot, ne permet pas à nos clubs d'être compétitifs, alors ça va être difficile qu'on ait un autre résultat que la médiocrité qu'on venait de récolter la saison passée.
ou soit bazonga na format ya ba club et bi tarapé ba championnat. Ils doivent réfléchir dans ils doivent réfléchir sur le meilleur format, tout en sachant que actuellement le pays n'a plus une compagnie aérienne. En incluant aussi les équipes dans les PFK, non? Pourquoi pas? C'est comme ça, j'ai dit, quelle sera la meilleure formule? Ils doivent s'asseoir avec les clubs pour discuter et décider de la meilleure formule qui pourra faire en sorte que les équipes, nos clubs, puissent évoluer sans interruption afin d'avoir la compétition dans les jambes. Les équipes qui gagnent sont les équipes qui jouent régulièrement leurs matchs. Parce que quand un joueur joue régulièrement les matchs, il se met en jambes, il développe le rythme. Par conséquent, le talent qui était en lui va le permettre d'exploser. Mais si les joueurs ne jouent pas, ils jouent un match tous les 2 mois. C'est pas possible. Un match tous les 2 mois. Vous attendez à quoi? Ou revenir avec l'ancienne formule des zones. Je vous dis, Kinshasa, il faudra seulement... Pour moi, peu importe la formule. Oui. Qu'on prenne seulement en considération la donne qui dit que nous n'avons plus une compagnie aérienne capable de transporter nos équipes d'un coin vers un autre. S'ils prennent cette donne en considération, ils verront quel sera le format le plus approprié à même de permettre à nos clubs d'avoir la compétition dans les jambes. C'est-à-dire, nos clubs doivent jouer sans interruption. Si il y a un calendrier, respectons le calendrier. Si on ne respecte pas les calendriers, alors à ce moment, ça devient tout, sauf un championnat. Imaginez-vous que nous étions parmi les championnats les mieux cotés. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, je ne sais pas si on va encore être considéré comme étant un championnat. Voilà, c'est une interpellation à l'endroit de ceux-là qui dirigent le football congolais. Un grand merci à vous également, Jacques Dromois. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés en CNET. Pour moi, c'est Congo Base Télévision, mais... Les Charman, Beni Gaston Benga, Sion Airline. Nabandi va Kalamingite, Masolo et Rosonga na terrain avec les Charman, Beni Gaston Benga, donc Sion Airline. Nabandi, pourquoi pas être aussi partenaire, il y a l'INAFOOT pour avoir accompagné nos équipes respectives, nos clubs respectifs partout. Nenge championnat local, Eko Betama, Eko Zalapenza, et le Romoro a bien. Mais très très prochainement, Trobe Tabisson, non, Masolo a fait commis, Faboué Bagé, et Charman Beni Gaston Benga, à Kangamaika, à côté, Kuna et à Sion Airline, te, fait commis, Fapé, Eko Sa, Moussa, Nango, et si tout va bien, la bandi mini foot congolais, Bago Zalabongo, représenté dans la Coupe du Monde, il y a mini foot, Eko Betama, na janvier 2023, Kuna, na Qatar. Un grand merci. La bande de Cognon sera fait commis. Fera beaucoup l'ananga de partout. Nous avons fait bambote et belé. On aura le temps avec les nouveaux programmes. Il y a Congo Base Télévision. La bande de Rosatan. Il y a Rolobi Sarapé. Bande de fait commis. Fana Bosani Pété. Bande de Cognon. Club M Sport. Au Bosagi. Bah, Explore à l'Obi. Na rond-point Willery. La bande de athlète. Nabi Sognon. Bah, Zimbabwe. Bah, énergie. Bah, en tout cas, vous défendez qui équipe. Bah, Fardese Soda Makasi. Bah, Christian Utudi. Binonyon Sobosala ki Moussala, Nandenge Elongo Bani, Malamou Malamou Ming, en tout cas un grand merci, Naba athlète Nyon sur M Sport, Nabo Sanité, Shango Bouda, Na Mayela, Okolandangaï, Babi Fabrice Mayela, Bambo Tenabino, Biska Nyon Sobosa, et le buté de la prolongation Jacques Dromois, Tokomi presque, Nasuka émission, Abisson Apesio, 1 minute 30 secondes, les non-dits, Ozalagi, Nango Bezona, tout non, Napo Kualio, Nazanga et Kotuna. Merci beaucoup, Santo, Naro répété. Et je pense que la répétition, dit-on, est la mère des sciences. Que le staff technique actuel, Yaba Léopard, apprime, Batika Kotatone. Ça ne sert à rien d'avoir cette pléthore, Yaba Joueur, qui en définitive ne serviront à rien. Bazoa, Osatur Yamazembe, Oebetaki, demi-finale, il y a la compétition africaine, Bakissa quelques éléments, Obamoni qui baza bon pour renforcer cette équipe-là. Et en faire l'équipe Yachan. Comme ça, l'équipe rwandaise qui a un match amicaux, c'est à travers les matchs amicaux, on a une faiblesse dans différents postes. Faire ce qu'ils sont en train de faire là, je considère cela comme étant un tâtonnement pur et simple. Et lorsqu'on tâtonne, c'est difficile d'avoir un bon résultat. Merci à vous, les bitaires de la prolongation. Jacques Dromois, mes salutations à papa Dromois. Merci beaucoup. Mes salutations à maman. La maman. Mes salutations à madame. Na bango nyonso. Oui. Et nous allons malamo, donc voilà. Un grand merci à vous d'être des nôtres ce soir.
Merci beaucoup. Merci pour la disponibilité. Fidèles téléspectateurs, amis de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, Carrefour Vert et Noir. Na bandi bolanda ki biso banda e bandelia emission na biso to banda ki kolobela mingi mingi o eta Léopard Chan o ba okati sa déjà lobi na Congo Brazzaville pour 3 jours e ba kozonga biso na mboka ba chance nini bo pesi bango est-ce que présélection ezama la moto qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer de ce côté à tolobela on peut tolobeli recrutement au sein de l'SV Club de Kinshasa au cette saison fo abeta Champions League africaine au Tobenga Rabongo to Jacques Drouma Messana ko benga zone A hein, donc première zone esa compétition moko ya kosaka na ngote ya to Sengaki na bande kwa staff technique ya SV Club bako ka kosala pe Moussa na bango de ce côté na ndenge longo bani pourquoi pas na ba supporter signor so ba ko chape maboko na kati ya pat pour que chacun d'eux ameka ko apporter un plus na kati ya la grande marmite to pe na kati ya la grande édifice au Tobenga bongo SV Club de Kinshasa pour que nous puissions construire cette grande édifice alors na bande ko nyonso pe o ya ba section na bandi la fois passée to zaina bande ko na so les défenseurs de l'SV Club to kanisa ki bande ko paradis pe ba ko ya ndenge ba prometa ki la fois passée ba monante mais le jeudi ici Tokoza Bongo, na staff technique ya SV Club. Ensemble avec Bango, nous allons faire une émission Oyo et collègues. Bongo, jeudi na 15h10, ba opé ba kozanga biso. Na pokwa ya lelo, bolandi biso na chaîne YouTube ya Congo Base Télévision. Et le lundi prochain, Tokozonga Susu Elongo a na Jacques Dromo, le buteur de la prolongation. Toye ba au staff technique ba loba ki projet na Bango Zandenge nini, Marcelo Eko Tambo Ane, parce que je tiens déjà à vous dire que. Les coachs Raoul Tsungu, Oyazali Bongo, sélectionneur, il y a SV Club, Azar reconduit maintenant comme étant entraîneur principal, topé titulaire, parce que la fois passée, Azala qui a joué Bongo rôle, il y a deuxième entraîneur, il y a club après démission, il y a entraîneur, Nabiso Oyakindagi, Raoul Tsungu Mutu, a conduit sa équipe dans la phase unique au Lunafoot. Pardon? Donc, Oyo et les Kaki. Un grand merci. Na bande gonyo so boza côté à Régine à Banzi. Batongara immeuble na mukolo. Moko te tout ça na ngolo bana po kwa lelo. Ya ngwa to lobito. Kouta na bino lundi prochain na même heure. Quant à moi, je vous dis bye bye. Restez toujours branchés sur Congo Base Télévision. Mais joyeux anniversaire à toi, Madame Domingo Gabriela Massandi Domingo. Joyeux anniversaire à toi. Retrouvons-nous les lundi prochain à même heure sur Congo Base Télévision. Quant à moi, je vous dis bye bye. Ne manquez pas sur notre chaîne YouTube. Merci.